Ah bon samedi matin, et eh oui, on est samedi, c'est le 14, le 13 vendredi, et choses du passé, c'est le 14 maintenant, minuit 38, 14 septembre déjà 2019. Merci d'être là, de plus en plus fidèles et nombreux. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Ceux qui sont abonnés, arrêtez de vous désabonner ou je ne sais pas c'est quoi le phénomène, mais enfin, calmez-vous. Vous n'entendez vous pas toujours ce que vous voulez entendre. C'est bien correct aussi. Soyez grand, mature, adulte. Entendez ce que vous n'avez pas envie, envie d'entendre. Des fois, c'est ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas ce qu'on veut entendre, c'est ce qu'on ne veut pas entendre. Ceci étant dit, chers amis, on a parlé, je vous ai partagé une nouvelle, on était revenu un peu dans le passé hein, sur cette histoire euh, de l'armée chilienne, parce que je voulais vous parler de ce, cet article qui m'avait été envoyé par un abonné, d'ailleurs que je remercie tous les abonnés qui nous envoient plein de liens, des, de, des, des hommes en noir, des men in black, dont j'ai dit. Pour parler des Man Black, on va aller faire un tour dans une histoire d'OVNI officielle. Parce que c'est des histoires d'OVNI officielles, ça, qui nous proviennent de l'armée américaine ou de l'armée chilienne dans ce cas-là. OVNI, objet volant non identifié. On s'entend Maintenant, vous, tout le monde se rappelle de l'objet céleste qui est passé dans notre système solaire, qui a ébloui beaucoup de chercheurs et beaucoup de monde et qui a posé vraiment des grandes questions. Hein, le fameux Ouma, Ouma. Apparemment, il y en a un autre. Qui se pointe dans, euh, dans notre galaxie. Vous vous rappelez de Ouma Ouma, hein, cet objet qui ressemblait à un disque plat qu'on a peut-être comparé à une espèce de, de voile ou voilier ou de système quelconque hein, qui voyageait et qui avait une drôle de, 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 de façon d'accélérer. En tout cas, c'était vraiment mystérieux. Tout le monde se rappelle de ce fameux Ouma euh, Ouma. Hein, on va juste y retourner euh, rapidement. Euh, de ce fameux Ouma-Ouma qu'on pense être le premier objet intercellaire. Ouma-Ouma. Hein? Euh, ouma Le premier objet scellaire ou intercellaire. Hein? Tout le monde se rappelle de ce fameux... Objet en forme de cigare, relativement plat, les astronomes ne savent pas exactement d'où cela vient, ni même de quoi il s'agit. Un visiteur d'une autre étoile, d'une autre galaxie. C'était la nouvelle quelques jours après le 19 octobre 2017, lorsque les chercheurs ont découvert un objet en forme de cigare, énigmatique, qui hurlait loin du système solaire à près de 92 000 km/h. L'entité se déplaçait trop vite pour provenir de notre propre système, voyageant sur une orbite hyperbolique en forme de U qui la conduisait autour du soleil et la renvoyait dans l'espace interstellaire. Des astronomes utilisant les, le télescope à sondage panoramique et le système de réponse rapide le Pan-STARRS 1 à Hawaï ont découvert l'objet étrange qui avait d'abord été, été désigné comme A Dash 2017 U1, mais bientôt il a reçu le nom de Uma Ouma, ce qui en hawaïen signifie éclaireur aux visiteurs de loin arrivant le premier, selon l'Union As Astronomique Internationale. Il a longtemps été théorisé que de tels objets existaient, des astéroïdes ou des comètes, se déplaçant entre les étoiles et traversant parfois notre système solaire, mais ceci est la première détection de ce type, a déclaré Paul Caudas. Mais on sait qu'il y avait eu une... Une théorie un peu plus différente d'un autre chercheur hein, qui avait euh, plutôt fait allusion à peut-être quelque chose qui vient de plus loin et qui a une autre nature. Ben, un deuxième objet interstellaire effectue un zoom sur notre système solaire et cette fois, les astronomes seront prêts. Un autre objet interstellaire bizarre vient d'être trouvé dans notre système solaire. En 2007, les scientifiques se sont émerveillés des premières observations humaines d'un objet interstellaire en train de traverser notre système solaire. La en forme de cigare, nommée Oumuamua, -Ouma possédait des caractéristiques si étranges que certains observateurs ont supposé qu'il pourrait s'agir d'un vaisseau spatial extraterrestre. La plupart des astronomes, cependant, se sont concentrés sur l'utilisation de la période étroite de son passage pour faire autant d'observations que possible. Les astronomes croient maintenant qu'un deuxième objet interstellaire est en train de zoomer sur notre système solaire et cette fois leurs télescopes seront prêts. Un astronome amateur de Crimée, euh, Gennady Borisov, a découvert ce que l'on pense être une comète en utilisant son propre observatoire, le Minor Planet Center, a confirmé l'objet qui a ensuite été nommé C-2019 Q4 Borisov et une analyse ultérieure a révélé qu'il suivait une trajectoire inhabituel, un trajet excentrique et hyperbolique qui signifie probablement qu'il n'est pas gravitationnellement lié à notre soleil comme son prédécesseur Wuma, Le nouveau visiteur interstellaire est originaire d'une autre ou d'un autre système planétaire et traverse la galaxie à une vitesse incroyable, 30 km à la seconde. Il existe cependant des différences entre les objets alors que Yuma Yuma est euh, un astéroïde le C-2019, large de 10 km, c'est quand même quelque chose, Il semble avoir une queue de gaz indiquant une comète. Cela signifie que sa composition et ses origines peuvent être étudiées plus en détail. De plus, et peut-être plus important encore, le C-2019 est six fois plus lumineux et restera disponible pour l'observation beaucoup plus longtemps. au Oma a pris les scientifiques par surprise était sur le point de sortir du système solaire au moment où ils l'ont découvert, ne, per ne permettant que quelques semaines d'analyse. Le C-19, en revanche, sera visible par des astronomes pendant environ six mois. La nature cométaire de C-19 et le temps que les scientifiques vont devoir étudier vont donner une occasion sans précédent de se renseigner sur l'état d'un système planétaire extraterrestre qui pourrait être mieux ou vieux d'un milliard d'années. Olivier Henault, astronome à l'European Southern Observatory, a déclaré que les scientifiques étaient si enthousiastes à l'idée de cette découverte que beaucoup abandonnent tous les autres projets pour se consacrer à cette tâche et commandent des télescopes de grande puissance pour observation. Ici, nous avons quelque chose qui est né autour d'une autre étoile et qui se dirige vers nous. Envoyer la sonde à un autre système solaire est la meilleure chose à faire, a déclaré Henault. Un jour, l'Agence spatiale européenne pourrait tenter de poser un engin spatial sur un objet interstellaire. Entre-temps, les scientifiques prévoient d'approfondir leurs connaissances sur les conditions dans d'autres parties de notre vaste galaxie. Donc, un autre objet interstellaire bizarre qui vient d'être trouvé dans notre système solaire. J'ai hâte de voir la suite.